I get a black blockmaster half a million without the FBI, 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 keep bringing them all, all, all FBI, fucking baby, Illuminati, F-B-B-B-O, oh. D-E-A in the FBI, FBI, hey. can you see? fucking baby, expect I say so. Yes, massive, c'est Spectacle et F-Baby pour FBI Fucking Baby International, le tout le monde. Allez, retour aujourd'hui. On va faire un petit débat rap français autour euh, d'un sujet lancé par Lafouine. Encore une fois, La euh, Lafouine, qui a, ça fait, ça fait quelques semaines, mais j'avais d'autres petites vidéos à faire entre temps, donc je me suis pas encore lancé sur celle-là, mais c'est euh, le rap français contre le rap américain textuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Lafwine, j'ai déjà dit que Lafwine c'est vraiment c'est un bon rappeur, euh, c'est quelqu'un qui a eu une des plus grosses carrières euh, de la décennie passée. Que vous voulez ou pas, allez voir ma vidéo sur euh, le sujet. Mais il dit n'importe quoi, tout, tout soit il ment, soit il dit des trucs, c'est même devenu une blague sur les réseaux sociaux. Et euh, il a dit en gros que euh, le rap français n'a rien à envier au rap américain textuellement et qu'ils sont même meilleurs que maintenant. Je vais je vous laisse voir. Plus j'apprends l'anglais, moins j'aime le rap américain, en fait. <laughs> Tous mes idoles, en fait, je me suis rendu compte qu'ils rappaient de la merde, tu vois. Je pense que nous, dans la français, on a vraiment une longueur d'avance en vrai sur le rap américain, tu vois. Quand j'écoute aujourd'hui des, des, des mecs comme SCH, ou comme Damso, ou comme Yusufa ou comme Kerry James, je me dis qu'en France, on écrit beaucoup mieux que les rappeurs américains. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus trop de fit avec les qu'un parce que gaspiller de l'argent pour rien, aller là-bas, faire le feat... Je... Malheureusement, il n'en fallait pas plus pour flatter les goûts de certains auditeurs euh, rap français qui ont dit ouais il a trop raison machin ouais on a rien à leur, à leur envier le rap français on est devant eux bah 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 et il euh, y a un autre rappeur français euh, alors je sais pas exactement comment ça se prononce je pense que c'est Bolman ou Bolleman je sais pas pff, qui a qui a appuyé ses propos en disant les rappeurs US sont éclatés au sol bon après lui il mentionne surtout Lil Baby Gunna Baby les nouveaux gars, etc ce qui est bête aussi, et euh, j'écoute, j'ai été écouté parce que j'écoute pas de Bolleman euh, parce que dès que je vois qu'on balade, Kou, à quelqu'un, je sais que ça va pas voler très très haut. Mais euh, donc du coup, j'ai été écouté pour voir ce qu'il faisait. Et les deux trois sons que j'ai écoutés, c'est drôle parce que c'est, il est une caricature des rappeurs qu'il trouve éclaté au sol, en moins bon. Donc c'est 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 vraiment super drôle. Mais je vous laisse regarder ce qu'il a dit. série qui m'a dit inspiré. Pour moi, on est plus fort que largement. Je te dis la vérité. C'est l'Afrique qui m'a inspiré, qui m'a plus inspiré que les Quinry. Les Quinry, ok, ouais. Niveau flow vestimentaire, tout ça et tout. Ouais, ok, d'accord. Mais sinon, après, leur musique, frère, ça m'intéresse même pas du tout. J'écoutais les, les anciens. J'écoutais Tupac, Biggie. La nouvelle génération Quinry éclate au sol. Ouais, ils sont éclatés. Moi, faut pas me parler de Lil Baby, de je sais pas quoi, de Gunna. De... Ils sont éclatés, frère. En France, on est largement plus fort qu'eux. Lyricalement, tout ça et tout, on est plus fort qu'eux. Donc, laissez-moi vous dire tout de suite que ces deux postulats sont faux. Euh, le rap français n'est pas meilleur textuellement que le rap Kenry, ne l'a jamais été ne le, ne l'est pas et je ne veux pas dire ne le sera jamais puisque on ne sait jamais, mais il ne l'est pas euh, même actuellement et je vais développer plusieurs points pour vous faire comprendre pourquoi et attention je tiens à préciser que j'aime beaucoup le rap français, j'ai surtout beaucoup aimé le rap français euh, dans mon adolescence on va dire de, de 13-14 ans à environ allez euh, avant l'arrivée de gradu on va on va dire après j'ai pas mal décroché c'est vrai mais euh, j'aime toujours le rap français j'écoute toujours des gars comme damso joke le projet qu'il a sorti là même si euh, ils se font un peu de notre gueule j'ai bien écouté aussi euh, des gars comme Luigi des gars comme il euh, y a y a dossé il y a des rappeurs que dinos il y a des rappeurs que j'écoute, même si j'écoute pas forcément ceux qui sont trop, trop, trop à la mode genre Nino, SCH, etc. C'est pas forcément ceux que j'écoute le plus, mais j'écoute quand même pas mal de rap français, soit à l'ancienne, soit à la semi-ancienne, ou même des trucs qui sortent quand même assez récemment. Donc, je tiens déjà à dire que j'aime quand même le rap français. Déjà, il faut rappeler, parce qu'il y a beaucoup de, en fait, on dit des, je, pour moi, il y a des trucs évidents, mais des fois, j'oublie que les gens les les, 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 les auditeurs sont jeunes parfois, euh, par exemple, pendant le clash Booba, Lafouine, etc. qui était en 2011, il euh, y a des gens qui, à ce moment-là, avaient peut-être euh, 10 ans et qui, aujourd'hui, ont la vingtaine et parlent comme des connaisseurs de machin. Donc, imagine si à cette période-là, tu avais 10 ans. Imagine 10 ans avant, tu même pas là, en vrai de vrai. Mais euh, pour revenir euh, sur des trucs qui sont évidents, mais que les gens ne maîtrisent peut-être pas, déjà, il faut rappeler que le rap français vient du rap Kenry comme tous les raps en général puisque le rap vient euh, d'Amérique, etc. c'est été des... en Amérique, on va pas refaire un documentaire sur euh, l'histoire du rap euh, là tout de suite, c'est pas le but. Mais euh, et non seulement ça vient du rap Kenry mais tout ce qui est en rap français euh, depuis peut-être euh, les années 80-90, c'est un dérivé. Du rap euh, Kenry. quand il y a eu, Lunatic, c'est quelque chose qui est répété souvent dans les documentaires sur le rap français de l'époque. Lunatic, c'est Mob Deep. Mob Deep, c'est un groupe de New Yorkais composé de Prodigy et Avoc. Le côté sombre, le duo, euh, très rue, euh, très nos futurs, c'est totalement Mob Deep. Euh, si on prend Booba au solo, Booba au solo, euh, le dit souvent, il va chercher ceux qui buzzent en Amérique et il le fait en France avant que ça buzz en France. L'autotune, le, la, le dirty, le trap, etc., etc. C'est même très choquant qu'il n'ait pas été l'un des précurseurs de la drill en France tellement ça, ça irait avec son identité. J'aurais préféré qu'il fasse ça d'ailleurs, qu'il se lance à tout le temps faire du vocodeur comme 92 Iveron, partie 72. La fouine, qui ose dire que le rap Kerry est meilleur textuellement que le rap euh, et enfin, le rap français est meilleur textuellement que le rap Kerry. La fouine, pendant très longtemps, c'est une mauvaise caricature De Lil Wayne et de Snoop Dogg Pendant très très longtemps euh, Le, le Fweeny Baby Qu'il dit euh, Ça vient de Wizzy F-Baby C'est super évident D'ailleurs moi, mon, mon pseudo c'est Specta F-Baby Parce que je suis un très très grand fan de Lil Wayne euh, Juste à la période de Lil Wayne Juste avant euh, les années 2010 M'a beaucoup influencé dans mon amour Pour le pour le rap et ma pratique dans le rap Et euh, quand je dis f baby il y a des gens, tellement le public s'y connaît pas en fait. Il y a des gens qui disent, ah de toute façon, Mysse, c'est un voleur, il a waqué la fouine. Tu vois, à la limite, il dit que j'ai wacké Lil Wayne. Tu vois ce que je veux te dire Mais voilà, c'est à ce niveau de connaissance-là qu'on est dans le public de base du rap français, ce qui entraîne des arguments comme celui qu'on a aujourd'hui, le rap français meilleur que le rap Kenry. Le rappeur blanc, chelou, loser, un peu misogyne sur les bords, qui a toujours la petite phrase. Trash ou potage, qui se déguise dans ses clips. Euh, Kinka oreilly euh, je vais pas dire que well, c'est le Eminem français, parce que ce serait une insulte à Eminem. Mais, vous voyez, vous voyez le, 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 le lien, il est, il est assez évident. Même Rof qui est quand même un, un, très, je le rappelle, un très bon rappeur, kicker, qui coeur qui, qui lui aussi parle souvent du rap Kenry comme une inspiration, de la G-Funk, etc., etc. Malgré son très bon lyriciste, il va prendre des lyrics, chez les Américains, c'est-à-dire que le lyrics de Drake, où, euh, il dit, euh, -M -M you niggas more YMCA. Et Rolf il arrive, et il dit, euh, nous c'est je sais pas trop quoi à la YMCMB, toi c'est je sais pas trop quoi à la YMCA. Il a volé ce lyrics, c'est évident que t'as volé ce lyrics. Nous, c'est grosse sub à la YMCMB, eux c'est de sub à la YMCA. Euh, alors que c'est même pas un lyrics ouf de Drake. Tu vois, il se rend compte voler des lyrics bas de gamme de Drake. Dans la discographie de Drake, c'est l'un des lyrics les plus bas de gamme, quoi. Bref, tout ça pour vous dire, pour finir le point 1, à part la Zumba, l'Afro-Trap, l'Afro-Beat, la Pop-Urbaine, ou je sais pas comment on veut appeler ça aujourd'hui, le rap français n'a quasiment rien inventé. Tout vient du rap Kerry. Il faut vraiment le rappeler. PNL c'est le, le mélange de combien d'artistes cloud euh, en Amérique ont fait comme si Oh mon dieu c'est des génies nananana j'aime pas PNL moi personnellement je j'ai rien contre les gens qui aiment PNL il y a pas de souci c'est une question de génération mais ils ont pas inventé ça donc euh, faut faut recentrer ça premier truc le rap français c'est l'enfant du rap quinri déjà le côté mauvaise foi intellectuel qui revient souvent quand les gens veulent dire que le rap français est meilleur textuellement que le rap Kenry. C'est euh, qu'ils vont te faire une liste de rappeurs US faibles textuellement parce que moi j'aime beaucoup leur musique hein. mais voilà le texte c'est pas leur truc ils vont te faire cette liste là et ensuite ils vont les comparer à des rappeurs français dont le truc c'est des lyricistes donc j'ai noté des noms ils vont te prendre des rappeurs comme Uzi Vert Playboy Karoti Liliotti, etc euh, Five You Foreign et ils vont les comparer à Youssoufa hein, Medine Kerry James, Dinos, Alpha One, et ils vont se sentir intelligents dans leur mauvaise foi intellectuelle. ils vont tweeter ça, ils vont mettre ça comme ça, dans les commentaires, et ils vont se dire, ah, tu pourras pas répondre à ça, là. Mais vous êtes, soit de mauvaise foi, soit vous connaissez pas du tout. C'est-à-dire que Kendrick Lama existe, J. Cole existe, Drake, Big Sean, Wally, Jay-Z, Eminem, Young le groupe Griselda, Uh, Pusha T, Ross, Lil Wayne, Freddie Gibbs, Tori Lenz. quand Tori Lenz se met en mode rap, allez écouter son freestyle, son dernier freestyle chez Hot 97, attention c'est chaud. Pourquoi vous faites comme si tous les gens que je viens de citer n'existaient pas Comparez-les à ces gens-là. Ne comparez pas Future à euh, Lino et puis vous me dire ah ouais non mais Lino il a des punchlines, regarde des gars comme Future et les Migos etc. Et les gens font comme si c'est ça qui fonctionne en Amérique seulement les rappeurs bling bling qui n'ont pas de texte. C'est faux, Drake. Quand il fait pas de RB, c'est un, un lyriciste. Tout le monde te le dira euh, au studio, Il a des fits avec Jay-Z, avec Kendrick Lamar. Il a un fits avec les Griselda qui va arriver. C'est un lyriciste. Pouchati ne serait jamais pas en Clash avec Missy si c'était pas un lyriciste de base. Et euh, tout ça pour vous dire que les lyricistes vendent. Drake vend. Euh, Kendrick Lamar vend. J. Cole vend. Euh, Big Sean vend. Ils vont moins que mais ils vendent quand même. Tous ces gars-là ont du succès. Euh, qui est -ce? je vais même pas revenir sur Eminem Jay Z etc donc pourquoi vous faites comme si le rap Kenry, c'est seulement le rap bling bling sans texte qui fonctionne quand vous voulez comparer c'est faux à l'heure les chiffres vous-même vous verrez que c'est faux c'est sûr que c'est ce qu'on met dans nos yeux le plus à ah, Gucci Mane les Migos, ah, à à à Young Thug euh, Lil Uzi. parce que c'est eux qui font des trucs euh, vraiment euh, extraverti euh, gossip etc mais c'est pas ceux qui vont le plus c'est totalement faux c'est totalement faux donc il y a des lyricistes qui fonctionnent aux States aussi. Donc, si vous voulez faire des comparaisons, comparez les lyricistes aux lyricistes. Et surtout, n'oubliez pas les rappeurs faibles en France. Textuellement, Joule. En fait, Joule, des fois, il kick un peu. Mais bon, en général, Joule, c'est pauvre, lyricalement. Cobaladé, Landy, euh, euh, genre, est-ce que j'en ai noté d'autres? Parce que je ne connais pas beaucoup, en fait. C'est, ça le problème. Euh, euh, enfoirés, Naps. Tu vois, c'est, Arrêtez de faire comme si le rap faible lyricalement n'existe pas en France quand vous voulez dire où le, nos rappeurs français sont meilleurs que les rappeurs qui arrivent lyricalement. Comparez les gens de la même catégorie, sinon vous êtes de mauvaise foi. Un autre point très important, le public de rap français ne parle pas euh, anglais. Alors déjà, les gens ont bien évidemment le droit de ne pas parler anglais c'est pas, pas parce que tu parles pas anglais que tu peux pas écouter de rap Kenry c'est pas parce que tu parles pas anglais que tu as pas le droit de parler de rap Kenry avec les gens euh, moi je parle pas espagnol des fois j'écoute du Maroc Anthony ou bon j'ai écoute, préféré écouter que des trucs que je, que je comprends mais des fois j'écoute euh, des sons de Maroc Anthony, des fois j'écoute euh, Bad Bunny mais vite fait tu vois dans, en mode vibes j'écoute du, du son africain qui est en Yoruba des fois mais c'est pas interdit. Je, je précise ça tout de suite. Même si tu parles pas anglais, tu as le droit d'écouter du rap Kenry, d'aimer du rap Kenry et de parler du rap Kenry. Mais pourquoi vouloir avoir un avis plus prononcé sur un truc que tu ne comprends pas que les gens qui comprennent le, le truc C'est-à-dire que moi, tu vois, c'est vraiment sans vouloir me la raconter au machin, j'ai un bon niveau en anglais. J'ai un bon niveau en anglais, je regarde mes vues de mes séries en VO, des fois je donne des cours d'anglais, euh, tu vois je comprends les trucs, j'ai pas besoin d'aller sur Google en général pour traduire un texte ou machin, D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je fais des traductions de temps en temps pour, euh, bon, pour mes news. Donc pourquoi des gens qui parlent pas anglais veulent avoir une, une opinion encore plus poussée et se battre avec moi alors qu'ils parlent pas anglais tu vois ça c'est problématique et ça arrive très très souvent il y a un frère sur Twitter là vraiment bolos euh, le gars il y a une influenceuse ou je sais pas trop une meuf française qui écrit un texte en anglais et les gens la mettent à la fête en mode euh, les gens se moquaient d'elle pour dire euh, ah mais elle sait pas parler anglais euh, qu'est-ce qu'elle a écrit là sur Snapchat etc et moi je regarde le texte et je dis ah non mais en fait c'est pas elle qui sait pas parler anglais c'est vous qui connaissez pas l'argot euh, de la street entre guillemets américaine et vous vous elle elle avait écrit the money in my bank account non elle a écrit my bank account and get shit on the money I got buried en gros mon compte en banque n'a rien contre n'a rien de comparable face à l'argent que j'ai caché en scred et j'ai dit oui c'est une phrase qui se dit totalement dans les sons de rap king etc et un gay vient me dire non elle a fait des fautes c'est pas comme parce qu'en fait le gars dans sa tête il est toujours dans un Anglais scolaire, sauf que les rappeurs ne parlent pas un anglais scolaire. Dans la street, les gars ne parlent pas un anglais scolaire. Je dis dans la street les milieux urbains. Donc en fait, le gars il connaît, il comprend pas l'argot. Il comprend que l'anglais de base et il est, le gars il pas bat avec moi, il a presque insulté, à les des gens, leur dire regardez, dadadada, alors que c'est lui qui sait pas parler anglais. Et ça, ça arrive tout le temps dans les débats rap français contre rap Kerry ou même rap Keri, rap Keri malheureusement. Parce qu'en ayant un anglais de base, vous pouvez pas comprendre les métaphores, les figures de style, les références, le storytelling, les doubles sens. Vous pouvez pas en fait. Sauf si vous allez sur Upgenius et que vous cherchez à comprendre ce que beaucoup de gens euh, ne font pas. Par exemple, la fouine qui a genre 39 ans là, euh, il dit qu'il a vraiment commencé à comprendre l'anglais quand euh, il a commencé à vivre en Amérique à Miami, je crois. Il devait avoir genre 34 ans quand c'est arrivé. C'est pas un gars qui savait pas parler anglais avant d'avoir 30 ans, qui va venir me dire à moi, quel rappeur est plus fort que tel rappeur textuellement? Tu comprends pas l'anglais? Ça veut dire que Lafouine, pendant toute sa carrière, il a pas compris le rap qu'il écoutait et qu'il imitait, en fait. Il comprenait les sons, machin, il voyait que c'était stylé, mais il comprenait même pas les jeux de mots, les punchlines, etc., etc., en fait. Et c'est lui, maintenant, qui va venir nous dire, maintenant, qu'il a vécu deux semaines à fort l'odeur euh, oui, non, euh, les rappeurs français sont plus forts que les rappeurs Kerry. Mais ben, laisse-moi demander à la fin de traduire un texte de Jay-Z. Il est en panique, de chez panique. On dirait vraiment les, 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 les fans français d'Eminem. Je dis les fans français, mais il y a des fans Kerry comme ça. Hein, mais les fans français d'Eminem qui veulent se battre avec toi pour te dire Ok Eminem c'est le dieu, c'est le plus fort de tous les rappeurs de l'univers que personne n'est prêt pour lui. Et ils comprennent pas ce qu'il dit. Les gars ne comprennent pas un mot. Des lyrics, des minimes, pas une phrase, rien, pas une punchline, pas une des métaphore Quand le gars commence à rapper Il se dit juste ok, il rappe vite mais il a dit quoi là Et là il a dit quoi Ce son là il parle de quoi Vous savez même pas les gars en fait Et encore une fois, on a le droit d'écouter sans comprendre Juste parce qu'on aime la vibe Mais ne venez pas vous battre avec les gens qui comprennent un minimum Le sens, le sujet, le, les, les références Et qui se disent ouais non, est, il est très technique mais pff, Voilà, le fond c'est un peu vide en vrai de vrai Tu vois on, des gens qui ont un vrai avis quoi il y a un autre mec qui s'est battu avec moi pour me dire euh, mais c'était avant ce débat là hein? euh, mais c'était le même sujet c'était le même sujet mais c'était avant ce que la fouine avait dit pour vous dire que ce sujet là existe depuis un petit moment le mec s'est battu avec moi pour me dire Kyrie James est plus fort que Nas textuellement Kerry James, malheureusement, c'est l'un des rappeurs intouchables. C'est-à-dire que, ah non, Kerry James, rappeur conscient toute sa vie, il s'est battu contre la violence et pour bah, 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 la banlieue, dadadada. Ok, ok, il a pas de souci. Le problème, c'est que ça rentre pas en compte pour moi dans ta qualité de qui est le meilleur rappeur. Un rappeur totalement trash qui parle que de meufs de street et de drogue peut être plus fort que Kerry James. Ouais. Et ça, les gens ont vraiment du mal à l'avouer. Mais le pire, c'est que Nas n'est même pas... Ce genre de rappeur, Nas, c'est vraiment l'un des rappeurs clés du rap américain. Il que Le premier album de Nas est considéré par beaucoup comme le meilleur album de rap de tous les temps. Sorti en 1994. Si vous l'avez pas écouté, allez l'écouter. Comme en Kerry James, Kerry James, c'est un rappeur tout droit. C'est-à-dire, il te dit ce qu'il a à te dire. Kerry James ne fait pas de, enfin, si, des fois, il fait des figures de style, des métaphores, mais c'est pas ça son truc. Qu'il te dit le truc de but en blanc. L'État nous bute, faut que la police, les jeunes souffrent dans la rue, nanana, Il te dit le truc brut de découvrage. Il peut pas être meilleur textuellement que Nas, qui a des doubles sens, qui a des métaphores, qui a des images, qui a des... Il peut pas être meilleur que Ilmatic, que Life is a bitch, que New York State of Mind, que Memory Lane, que The Genesis. Il peut pas être meilleur que ça. Et là, je cite, il mais il y a It Was Written, donc Kerry James est meilleur que Ether, Kerry James est meilleur que If I Rule the World, Que One Love, Kerry James est meilleur que ça. Non, pas du tout, c'est juste que vous réalisez pas ce que vous dites, parce que vous ne parlez pas anglais, ou bien vous n'avez pas la culture rap, vous avez la culture rap français. vous êtes chauve parce que vous êtes français, mais vous cherchez pas à savoir, donc automatiquement vous dites c'est meilleur. C'est comme moi, je suis antillais ». les gens qui disent le reggae Antiet et au niveau du reggae jamaïcain. À un moment, les gars, j'adore le reggae entier, mais vous savez très bien que c'est faux. Et j'adore, les gars, je suis l'une de, des personnes de ma génération qui aime le plus le reggae entier. Mais c'est faux. Et ben c'est pareil pour le rap français et le rap américain. Un autre m'expliquait, ouais, Mick Mill, en lyrics, il Drake. Et c'est là que je me dis, la seule connaissance que vous avez de Drake, du rap américain, de Mick Mill, de Wally, de Buxton, de Kendrick, c'est juste des posts sur Twitter, des blogs vite fait français, mais vous n'êtes jamais vraiment chercher. à l'échanger. C'est-à-dire que même Kendrick Lamar, que tout le monde respecte universellement parce que c'est l'image du rappeur conscient américain qui a du succès, qui a du buzz. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah ouais, Kendrick là, 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 mais ils ne comprennent pas ce qu'il dit en fait. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans le son. Ils disent juste ça parce que ça fait bien de dire ça, mais ils ne savent pas en vrai ce qu'il y a dans le son. Et c'est ça le problème du public rap français qui veut donner son avis sur des trucs. Mais qui connaît pas ces trucs. Moi, vous pouvez avoir un avis sur le rap Kenry, mais vous pouvez pas avoir un avis plus euh, prépondérant, plus important que les gens qui saignent la culture en vrai de vrai. En fait, c'est un peu comme si tu veux comparer euh, Des trucs en mathématiques, De réalités mathématiques, mais tu sais même pas faire une équation simple. C'est un peu ça que les gens font en fait. Et en fait, le rap français reste très bon. Il est juste moins bon que le rap américain. Par exemple, et je parle de textuellement. Après, musicalement, vous préférez ce que vous préférez. Il n'y a pas de souci. Mais textuellement, faut arrêter de déconner. Euh, LeBron James est plus fort que Tony Parker. Ça veut pas dire que Tony Parker n'est pas un champion français, n'est pas un super bon basketteur. C'est tout. Mais à un moment, la réalité est la réalité. Booba est un moins bon rappeur que Jay-Z. Mais Booba est quand même le meilleur rappeur français de tous les temps à plein de niveaux. C'est, 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 c'est une réalité. On n'a pas besoin d'être le, le meilleur pour avoir une culture mais en France en France on manque de culture, on manque de recherche, on manque d'aller chercher des trucs et on ne transmet pas assez aux jeunes. Il y a un média un rap français qui a fait un, une sorte de battle entre les rappeurs français, euh, championnat et euh, pour élire le meilleur rappeur français de tous les temps, tu vois Boubé la du du Nino. Euh, tu vois des bails comme ça et je sais que c'est des jeunes qui 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 votent mais même en en Amérique, tu fais un vote comme ça. Euh, euh, bouba enfin euh, en fait, Jay-Z ne va pas perdre contre lui Baby frère, il va pas perdre contre Da Baby parce que c'est lui qui est chaud maintenant. Et en France on n'a pas cette euh, cette culture, ce ce qui s'est fait avant, ce qui aide à, à se construire. Et et, et le problème c'est que même des influenceurs, parce que Booba c'est un rappeur mais c'est aussi un influenceur. Booba quand il fait une interview et qu'il dit euh, le dernier album de Jay-Z nul, euh, ça ça pète pas, euh, etc etc, je me dis putain. Jay Z, son dernier album, par exemple, il est tout pourri. Personne n'écoute. Booba, tu es censé connaître la culture. Tu es super décevant parce que Faux Faux Fond, fond, fond c'est un album de grandes personnes. Booba, il a genre 46 ans. Il devrait comprendre cet album. Moi, quand je l'ai écouté, j'avais peut-être 27 ans, un truc comme ça, et j'ai compris. Le gars, il parle de sa vie d'adulte, de sa relation avec sa femme, de la relation des noirs avec l'argent, de la relation des noirs avec les autres noirs qui ont de l'argent, de, de, de plein de trucs, de l'infidélité. Mais, et, et, et même la musicalité, il dit, ouais, les instrus ne pètent pas. Mais les instrus sortent de nous. dit, excuse-moi, ça pète. Et en fait, Bouba fait comme si, si ce n'était pas de la trappe ou de la drill, c'est nul. Et quand je vois Booba faire ça, je me dis, ah ben, en fait, c'est un problème français. Tu vois, ce n'est même pas un problème d'âge ou de machin, c'est vraiment un problème de français qui comprennent pas la culture. C'est-à-dire que je me demande des fois même si Booba, il comprend en fait au final. C'est-à-dire que peut-être qu'il il, il est très fort instinctivement, naturellement, il a un don. Peut-être qu'il comprend même pas vraiment la culture rap américaine, en tout cas les textes, etc. Est-ce que Booba comprenait vraiment les textes de Nas, de euh de Common, euh, etc. etc. Euh, Est-ce qu'ils comprennent ou pas, tu vois Youssoufa en France qui est vu comme The ici ce que tout le monde a. Très fort, Youssoufa. Tu le mets au States, il est en galère. On on, il serait respecté, sûrement, tu vois. Mais ce serait pas genre, oh mon Dieu, il est sous fin. Faut vraiment enlever ça de vos têtes, tu vois. Euh, même un gars comme un petit nouveau, comme, euh, semi-nouveau, comme Or Lucas, euh, il le met en galère niveau texte, niveau flow, niveau punchline, niveau métaphore, niveau concept, niveau plein de trucs. Et j'écoute même pas Junior Lucas. Comprenez euh, Un gars comme Fabulous States, qui est même pas cité en France parce qu'on connaît pas assez la culture. Si tu le tu le mets en France avec ses mixtapes, avec ses albums de le, depuis 2001, le Guille il est toujours frais comme jamais. Euh, les punchlines, les métaphores, les instrus, les... y a pas Il y a pas en fait. Et et et, et tu le mets en France ce serait un patron, le gars se serait inventé etc etc. Mais même textuellement, le problème c'est que je ne veux pas vous faire un cours des textes de rap qui est là là. Vous n'allez pas regarder ça. Peut-être qu'un jour jouerai euh, des concepts de vidéo comme ça, mais on pourrait, en fait, c'est vous qui devez faire le, 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 la démarche d'aller chercher avant de débattre sur des trucs, en fait. Sinon, vous vous, vous parlez, mais il y a aucun poids. Vous, vous faites juste du bruit, vous rajoutez du bruit à des débats internet, en fait, et vous rajoutez à la confusion à l'ignorance. T'imagines si en France tu mets un Pouchati un Kendrick Lamar, ce serait ce serait la gare. Imagine un artiste français sort Good ma City, ça n'existe pas, les gars. Ça n'existe pas, Kendrick Lamar a à peine 32 ans, c'est un jeune. Ça n'existe pas, textuellement, ce qu'un gars comme Kendrick fait sur euh, The Black and the Berry, ce qu'un gars comme Kendrick fait sur Lord Knows ou sur The Rides. Ou euh, si au 6 p.m. in New York, ou si récemment, euh, je sais pas quoi, le freestyle, euh, merde, j'oublie comment le, le dernier freestyle qu'il a sorti avec Rick s'appelle. Ça, ça n'existe pas. J'écoute du rap français, ça n'existe pas, les gars. Ça vous ne faites pas ça, vous n'êtes pas à ce niveau. Et les rappeurs français savent en plus. C'est le public rap français, et la fouine et les petits jeunes qui ne savent pas. Mais vous n'êtes vraiment pas à ce niveau. Il faut vraiment que les gars soient, soient conscients de ça. Nino, moi j'aime pas spécialement Nino voilà c'est c'est pas ma tasse de thé mais je vois que tout le monde valide etc c'est le plus fort de sa génération ok si vous voulez tu mets Nino aux States maintenant on le regarde même pas sur les côtés les gars c'est ah ouais ok cool tu vois il va peut-être exister il va peut-être vendre un ou deux albums ça va être qui ça va être quel rappeur qui pète un peu mais pas trop je... Big Krit je sais pas si vous connaissez mais même Big Krit est beaucoup plus chauve Nino tu vois c'est c'est ça c'est à dire que okay, ils ont tellement plus fort, que, j'arrive même pas à l'expliquer. Il y a des rappeurs, euh, français qui pourraient être dans la discussion. Si, si on les transpose littéralement au Kenry. Booba, Lino, tu vois, les, des mecs comme ça qui vraiment, euh, joke. Attention à joke. Attention à joke. Très sous-côté, mais bon. Voilà, pareil, c'est un gars qui a au Kenry, joke. Donc, il sera jamais compris en France, mais, tu c'était juste vraiment pour vous dire d'arrêter d'abreuver le moulin des, des trucs genre euh, le rap français n'a rien à envier au rap qui est textuellement le rap français devient de plus en plus pauvre textuellement, t'as plus de Lino t'as plus de Booba, t'as plus de Rof t'as plus de nouveau Youssoufat. les seuls gars qui restent c'est des semi-anciens comme Dinos, dossier Joke il y a des nouveaux comme Alpha One, et même Alpha One il est plus trop trop nouveau, nekfeu il est plus trop trop nouveau les nouveaux rappeurs, il n'y a pas de texte les gars, donc Oser dire, maintenant, là, le rap français est meilleur que le rap Kerry. Frisco Orleans, par exemple, il est bon, j'aime bien le délire de Frisco Orleans. Frisco Leon, il a une seule technique. Frisco c'est un gars, qui a, euh, euh, un crochet du gauche surpuissant, mais qui te donne uniquement des crochets du gauche. Je suis comme ça, comme, comme ça, je suis dans le game comme, comme ça, comme ça. Il fait que comme, il fait que des comparaisons. C'est bien, c'est un bon délire, mais il a une seule technique. T'arrives en Amérique, tu fais ça, t'es maximum the game qui est un très bon lyriciste aussi, en plus, qui pète beaucoup de rappeurs français, et on n'en parle même pas. Tellement, il est fort, mais le niveau rap qui est tellement au-dessus qu'il il surnage même pas. Les gars, vous réalisez même pas. Vous réalisez même pas à quel point le postulat, le rap français, n'a rien à envier au rap-querry en texte, est bête, et, euh, baigne d'inculture, c'est-à-dire de, vous connaissez pas, mais vous voulez vraiment, forcément parler. Et la fouine, il pff, il était vraiment super décevant parce que je me dis, la fouine, ok, il ment et machin, etc. Mais au moins, il a la culture. Et là, je me dis, en fait, il a même pas ça au final. Mais bon, big up la fouine. On s'est quand même beaucoup enjaillé sur ces sons. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. J'ai parlé longtemps, là, frère. Je voulais pas parler aussi longtemps. Mais en tout cas, j'ai parlé longtemps. Mais c'est, c'est, ça quand t'es passionné. Tu parles longtemps. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner une force si vous kiffez le contenu, laissez vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez. Dans le respect, on est là pour débattre de façon constructive. Inch'Allah, si Dieu veut, si Jah veut. Rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Spectacle pour FBI Fucking Baby International, le tour du monde. allez au retour. FBI. Fucking Baby. Spectacle, c'est